くりやろうよなあ。あら、見つかってしもた。海中と海進、お前におもちゃをやろう。そいつは好きにして構わんよ。試したいことが山ほどあってね、じっくり楽しもうじゃないか。魂はさらなる高みへ。ブリーチブレイブソウルズ。Enfin, ça y est, nous y sommes, les voilà, les derniers. Salut la team YouTube, et oui, tu l'auras compris, on a enfin les informations concernant, bah déjà, d'une part, la loterie de cette fin de mois de mars, mais surtout, eh ben, on a enfin du concret en ce qui concerne, bah, les deux derniers personnages, finalement, il ne restait plus que eux, Gin et Mayuri, les deux derniers persos à paraître dans le cadre de la collaboration avec Safui, donc les fameux capitaines Beyond Bankai. J'en parlais récemment, justement, de cette loterie, comme quoi ça faisait bien trop longtemps qu'elle traînait dans le temps, et qu'on n'avait pas, encore une fois, ni de nouvelles, ni de communication, ni rien de la part de Kelab en ce qui concerne justement la suite et fin de Safui. Donc deux nouveaux personnages, bien sûr les deux derniers, accessoirement trois loteries différentes. On a la loterie générale qui débarque le 31 mars et qui va durer jusqu'au 12 avril. S'en suivra ensuite la sélection 1 qui va arriver elle aussi le 12 avril au matin et va durer jusqu'au 18 avec une sélection de persos full premium pour l'accompagner. Et ensuite du 18 au 24, la sélection 2 avec le nouveau Gin et une très belle sélection premium là aussi. Franchement les rosters des loteries solo sont franchement très très chouettes. Hein. Donc par contre ce qui est franchement pas cool c'est qu'on a les deux derniers persos, bon ça c'est une chose, mais on va quand même se farcir une sélection de 12 personnages. 10 fillers. Ah j'ai hâte de voir ce que ça va être. Par contre, information importante à noter, la loterie sera disponible en format single et en format multi, et à chaque fois, les premiers paliers seront gratos. Ça, ça fait plaisir. Et bien sûr, on va découvrir les nouveaux persos, évidemment le nouveau Gin. Alors j'ai vu le visuel rapidement, il a l'air incroyable. Spécialisé dans les attaques puissantes rouges, pression spirituelle, gameplay corps à corps, et toutes les attaques vont provoquer du poison totalement raccord avec le personnage de Gin. Ici, on a affaire à un personnage de type Shinigami, killer aucun. Une configuration qui au global n'est pas si rare que ça, on a même eu une version de Gin d'ailleurs il n'y a pas longtemps, le Gin enfant dans cette même configuration, et on a même le Gin Party Time aussi, bah décidément. Que si on veut rester sur un Shinigami, killer aucun, attaque rouge, et bah le dernier en date c'est le Ichigo Artwork. C'est-à-dire que ça fait presque 2 ans qu'on n'a pas eu ce genre de config sur cette affinité. Attaque spéciale, venimeux, crocs, vulpin, recouvre le corps de l'ennemi de fragments de sa lame empoisonnée, infligeant des dégâts colossaux, empoisonnant tout ce toucher et pouvant les tuer instantanément. Ah, le retour de l'instant kill sur les attaques spéciales, pourquoi pas. Alors évidemment, tout cela, ça reste une extension de ce que l'on connaît de Gin. Sa capacité à empoisonner, causer du dot, sa lame qu'il est capable d'allonger jusqu'à des longueurs pas possibles, voire même qu'il est capable de fragmenter. On se rappelle de celui qu'il avait laissé justement dans le torse d'Aizen. Et ben là, ça va être la même chose, mais en beaucoup plus vénère. En termes de soultrain, on est sur un classique 12% de temps de recharge. Compte tenu du profil du perso, ça fonctionne. Oh, alors par contre, on est sur un Gin qui n'a pas le temps, visiblement. Rapidité plus 2, into foulée. Alors ça fait bien plaisir. C'est juste vraiment le meilleur combo possible en matière de capacité de déplacement. T'as un perso qui va tracer sa mère à travers toutes les rooms, ça va être vraiment très plaisant à jouer. Portée étendue des attaques puissantes de 20%, donc s'il y a quelques AOE placés dedans, ça peut être très appréciable aussi. Olé ! Bon, bon, oh, eh bah dis donc, il y en a des belles choses à voir ici là. Alors, déjà, ça attaque direct. Frenzy plus 2. Alors déjà, pas de problème. Pas de renfort de dégâts cependant sur les attaques puissantes. Bon voilà, il y a le Frenzy plus 2 pour compenser. Mais l'aspect profite de 40% de renfort, il y a un malédiction plus 2 secondes, vu qu'il va causer du poison, ça reste un dot. Mais par contre, le fléau des empoisonnés natifs plus 40%, il fait quand même bien plaisir. Très appréciable la précision aussi, qui va faire office de guard break et d'anti-enfouissement. Comme ça, si jamais vous dropez le perso, pas besoin de mettre une Zeta Ball sur son stuff, ou alors de sacrifier une compétence d'anti-enfouissement sur un T15 T20. Et là, on a un vrai beau dropper, vraiment pas mal. Ah, il lui manquait les larmes éventuellement, mais on a quand même, bon, butin de cadre plus 70%, les potions classiques plus 5, et les potions super potions vitesse plus 5. Ouh, puis en plus, ah, et d'accord, ouais, effectivement, c'est vraiment le perso qui n'a vraiment pas le temps, puisque perso technique, vitesse de déplacement plus 30%. C'est pas moche parce que du coup, lui, ça veut dire qu'il va booster tous ses teammates de 30% sur leur vitesse de course classique, pendant que lui, il sera en train de bombarder à travers les rooms avec un rapidité plus 2 foulée. Et le petit gêneur de personnage vitesse qui va permettre d'augmenter de 10% la probabilité d'application de son empoisonnement. Donc pour résumer, on est sur un perso rapide qui va mettre du dot partout, qui drop des ressources, avec une fonction plus offensive que support, mais avec un petit boost de vitesse quand même. Pour voir après comment ça rend sur le gameplay, la fiche de compétences en tout cas est très alléchante, à voir ce que ça donnera tout à l'heure dans le gameplay. On passe ensuite sur Mayuri, donc spécialisée dans les attaques puissantes rouges, exactement le même profil que Gin, pression spirituelle, gameplay corps à corps, attaque puissante 3, piège.
Ah, ça c'est nouveau par contre. Et toutes les attaques, paralysie et poison, complètement raccord avec Mayuri. Le petit chimiste qui piège ses victimes et les empoisonne en les laissant crever à petit feu, ça correspond complètement au personnage. Oh, pis ça... Et puis la tronche qu'il a quoi, c'est quand même pas mal. Hein. Ici on est sur une config Shinigami Capitaine Tueur d'Arrancar. Bon alors là je vais même pas aller voir dans l'album. On est vraiment sur une config alors qui est banale à crever. A voir après comment Mayuri va se distinguer un peu du reste des autres persos. Attaque spéciale, jeu d'enfant. Après avoir immobilisé l'ennemi de son auréole, Ashisugi Jizo se déchaîne, paralysant, empoisonnant et infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Donc en gros c'est même encore pire que ça en termes de vice. C'est à dire qu'il immobilise ses victimes et il laisse... Ashisugi Jizo comme le bon petit toutou qui va aller les bouffer pendant qu'ils peuvent pas bouger. Ah, c'est toujours plus loin dans le sadisme, Mayuri, hein, pas mal, hein. Sous le trait, on a exactement le même, 12% de temps de recharge, idem Gin, donc ça bouge pas, puis encore une fois, c'est raccord avec le profil du perso. En termes de compétences innées, on a un classique rapidité plus 1, là aussi, tout comme Gin, il a les portées étendues de 20% sur les attaques puissantes, et il annule toute forme de garde et de résistance rouge. Des fonctions utilitaires sympathiques, bon, pour l'instant, rien d'exceptionnel, on va voir le reste. Alors, là, on a plein de renforts de partout, on a les strongs qui sont renforcés de 40%, et elles sont déchaînées plus 1, l'aspect renforcé de 40% qui est elle-même déchaînée plus 1 avec la présence du petit bombardement. Malédiction plus 5 secondes, ça c'est cool, par contre ils ont basé la malédiction sur la durée de la paralysie et non sur la durée de l'empoisonnement. D'ailleurs, puisqu'on parle d'empo... Oh, c'est quoi cette arnaque là? Attends, oh d'accord, aïe, attendez, vous avez vu ce qu'il y a en dessous là? Double fléau qui correspond à son double, sa double altération du coup, donc empoisonnement d'un côté, paralysé de l'autre, à chaque fois plus 40%, on a le brise armure et l'ascendant spirituel. Bon, il est immunisé à toutes les altérations d'état, bon ça d'accord, mais moi je vous fais un combo suivant. Bombardement, double fléau, brise armure, ascendant spirituel, ça vous rappelle pas quelqu'un ça? Un perso très prisé en quête de groupe qui met des dégâts absolument monstrueux dès lors qu'il balance son attaque spéciale. Bon, si toutefois vous n'aviez pas encore compris, je me sens quand même obligé de vous illustrer ça. Qu'est-ce qu'on disait ? Ascendant spirituel, bombardement, double fléau, brise armure natif. Ouais, bah c'est bon, on a tout là aussi. Hein. Petite particularité cependant pour Yamaji, c'est que lui, il a le fléau des affaiblis, étant donné qu'il cause de l'affaiblissement. L'affaiblissement, c'est également une altération, qui réduit les valeurs défensives des mobs qui sont touchés. Là où l'empoisonnement et la paralysie, bah ça ne fait rien d'autre qu'empoisonner et paralyser. Donc Yamaji continue quand même de conserver une... très courte longueur d'avance en matière de performance brute sur l'attaque spéciale. Mais attention, là le Mayuri qui est en train de tomber pour la fin du mois, il est dans le même esprit de dinguerie en termes d'attaque spéciale. Là-dessus, tu lui fais un petit T15 T20 à base de perfection et un autre brise armure, donc tu te crées on va dire un brise armure plus 1, histoire de rendre brise armure encore plus efficace. Et là tu vas mettre la main sur juste tout simplement un perso qui va avoir une force de frappe sur son attaque spéciale, un poil de fesses près équivalente à ce que l'on connaît déjà sur le Yamaji Guerre Sanglante. Et ça veut dire que Kelab n'a toujours pas compris et continue de nous sortir encore plus de persos avec des builds débiles capables de causer des dégâts que le jeu ne peut déjà plus encaisser depuis plus de 2 ans. Il continue sur la même lancée alors que le jeu est toujours dans son exacte présentation qu'il y a encore une fois il y a 2 ou 3 ans en arrière. Mais Kenab, on avait déjà compris avec Yamaji, il avait déjà tout fumé à son époque, pourquoi vous continuez en fait? Alors c'est rigolo, hein, nous ça nous fait marrer, on va encore afficher des scores débiles en matière de dégâts d'attaque spéciale, mais prévoyez de faire quelque chose de votre jeu par pitié, là il y a un moment où vous nous en sortez toujours plus. Alors par contre, ce qui est un petit peu badant, Kenab, quand même, vous déconnez là. Yamaji, le guerre sanglant dont on parle, il est sur l'affinité force. Le Mayuri là, quand même, ça commence à se voir. Ah, nouvelle attaque piège. Oula, dis donc, il y a tout un roman là. Mais c'est quoi tout ça là? Mais attends, oula, c'est si pété que ça les pièges, c'est quoi l'histoire? Après l'attaque, un piège est placé et un ennemi marchant sur ce piège a une forte probabilité d'être affecté par une altération d'état. Mayuri, il a ça sur sa Strong 3, je crois. Hein. Attaque puissante 3, piège. D'accord, mais attends, Mayuri, donc il a une animation sur son attaque 3, sur sa Strong 3. Il y a un piège qui est placé, j'imagine, là où la strong part, et un ennemi qui marche sur ce piège, il est même pas garanti d'avoir l'altération, il y a juste entre guillemets une forte proba, d'accord? Chaque personnage ne peut placer qu'un piège à la fois, si un nouveau piège est placé, un piège précédent encore actif disparaîtra. Les pièges que vous ou vos alliés placez n'affectent pas votre personnage ou ceux de vos alliés. Bon, encore heureux, ça ne concerne que les mobs ennemis, tout va bien. Si un piège placé chevauche un autre piège existant, placé par un autre joueur ou causé par les règles de la quête, le piège existant disparaîtra et seul le nouveau piège sera actif. Faudra voir en quoi consiste le piège après. De plus, les pièges ne peuvent pas être placés dans certains contenus. Dans ce cas, seuls les dégâts causés directement par l'attaque surviendront. Ah voilà, du coup ça répond à ma question. Il y a quand même des dégâts qui seront causés intrinsèquement par cette attaque, mais en conséquence de l'attaque, il y aura un piège qui sera posé avec une proba de causer une altération d'état au mob qui marche dessus. Et en dessous, c'est quoi ça? Contenu, piège, oui. Alors non,
Ah, les pièges, on pourra pas les mettre ni en raid, ni en battle. Ah, les malins. Par contre, on pourra les mettre un peu partout. Haute difficulté, chronique, blablabla, ouais, ok. En arena, ça marchera. En arena, ça y a moyen que ça casse un peu les pieds, quand même. Hein. Les pièges placés par ce type d'attaque ne sont pas affectés par les compétences qui modifient les attaques du personnage. Attaque puissante étendue, déchaînée, gêneur, etc. D'accord, là, ce qu'il nous explique, c'est que le piège, en fait, a ses propres règles, on va dire, qui ne sont pas dépendantes de celles du personnage. Les altérations d'état causées par un piège sont considérées comme causées par le perso. Ah, ça, c'est important, par contre. Ayant posé le piège pour les compétences ascendantes, c'est-à-dire, voilà, l'effet est déclenché quand un ennemi est affecté. Voilà, très bien. Donc, malgré que le piège réponde à ses règles, à partir du moment où il y a un mob qui tombe dans le fameux piège, si ça cause une altération, et ben du coup ça déclenche tous les triggers qui vont avec sur ton perso, notamment bah, l'ascendant spirituel vu qu'elle se déclenche sur le départ d'une altération d'état. Les ennemis sous l'effet d'une altération d'état causée par un piège sont affectés normalement par les différentes compétences fléaux. D'accord, donc les fléaux fonctionnent également de la même manière, ça reste une altération classique, voilà, c'est juste la méthode d'application qui est un peu originale, sinon l'altération en elle-même reste texto identique. Oula, personnage 5 étoiles de la sélection. On se rappelle, 12 persos, 2 new, 10 fillers. Attention. Ouais, c'est plutôt ouais. Bon, il y a de tout, il y a du Safui, du Can Fire Your Own World, il y a à boire et à manger, il y a de toutes les affinités, de tous les types, il y a du Brave Battle, du PVE. Moi, la seule petite ombre que je vois au tableau là-dedans, c'est qu'en dehors des deux nouveaux persos, il y a que le Kisuke Safui que j'ai pas. Tous les autres, je les ai. Et il y a même Retsu qui est déjà FTT20, au secours. Alors pour connaître les autres personnages 5 étoiles disponibles, consultez la liste des personnages ci-dessous. Comment ça, il y a du Orselec? Mais non, il y a du Orselec, mais vous êtes sérieux? Il y a deux nouveaux persos, deux! Et il a fallu chialer pour les avoir! On se tape une loterie avec 10 fillers autour des deux nouveaux persos, et vous trouvez le moyen de nous remettre du Orselec en plus à côté? Putain, mais c'est terrible! Mais zéro pitié, hein, zéro pitié, zéro chill, hein. Et ça va jusqu'où la plaisanterie? Bah ouais, bah le classique 2% au dernier palier, quoi. 2% c'est 100%. On connaît bien. Et puis ça va être la même sur les tirages en single, hein, les mêmes taux, sur les mêmes paliers à chaque fois. Aïe. Allez, ça part pour les gameplays. Maintenant, on va voir un peu. On commence par qui? Par Mayuri. Ah, on voit le fameux petit logo spécial là, qu'il y a justement pour le fameux piège. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là, les auto-attaques à 4 coups. Dernière attaque qui forme une petite AOE devant le personnage. Une sorte d'énorme AOE à distance, visiblement. Un dash avec une AOE sur la strong 1. De quoi faire de bonnes tranchées. Ok. La strong 2. C'est un vortex, ouais, c'est un genre de gros vortex. Un gros AOE à distance, pardon, mais qui a l'air d'avoir un effet grab. Ah, voilà, donc c'est ça le fameux piège. Ah oui, donc c'est pas le petit piège en fait. Ah oui, il dépose carrément une énorme flaque. Et là, du coup, la flaque, elle est à la couleur de la paralysie et du poison. Ah, ok. Et il a posé un piège. Ah, pas mal. Ils reprennent les éléments du gameplay du perso dans l'animation de l'attaque spéciale. Pas bête. Suivi maintenant de Gin. Qu'est-ce qu'il est chouette. Il est vraiment très beau. Hein. Vraiment la version What If Beyond Bankai de Gin. Qui, rappelons-le, est censé être mort au moment où se passe Safui tout de même. Hein. Mais bon, voilà, c'est Safui, c'est du What If. On fait un peu ce qu'on veut. Donc, la strong 1. L'allongement de la lame de Shinso. Hop, qui va servir donc d'attaque lointaine. Ah, bien ça, voilà un vrai vortex, parfait, nickel. D'abord l'AOE à distance devant le perso, suivi du vortex qui va traquer les mobs. Voilà, c'est parfait. Et ça, pour mettre des hits dans tous les sens, évidemment, c'est ultra plaisant. Et enfin, bon full screen, j'imagine. Voilà, c'est classique, mais par contre, au moins, c'est bien, parce que ça part vite et ça part bah, efficacement, quoi. Alors le vortex, ouais, par contre, pixel le vortex, pixel. Hein. Animation d'attaque spéciale, on imagine. Qu'est-ce qu'il est chouette, hein. Il est très très beau. Ah oui, ok, donc là du coup je reviens sur l'histoire du piège de Mayuri. Alors moi je sais pas pourquoi, mais le piège, je m'attendais, moi je sais pas, limite à une petite boîte, un petit truc qui pose au sol, il y a un mob qui marche dedans, et puis peut-être que éventuellement il prend l'altération. Mais imaginons éventuellement, vous savez, les pics que l'on a dans les tours, les pointes, il y a certaines pointes par exemple qui vous causent de la lacération. Alors je me suis dit peut-être que Kelab allait réutiliser ce principe là et l'adapter sur un perso, mais en fait pas du tout. Là c'est quand même beaucoup mieux, puisque là c'est carrément une énorme flaque qui est posée bah, par votre perso.
flaque à laquelle votre perso et vos mates donc, du coup sont immunisés, mais du coup on voit là ils prennent le poison, la paralysie, etc. On rappelle que ce perso il a quand même l'ascension spirituelle, donc c'est quand même très pratique cette attaque en fait. C'est la garantie que si à un moment donné la RNG se fout de toi et que t'arrives pas à faire proc tes altérations avec tes auto-attaques, ta strong 1, ta strong 2, tu balances ta S3, mais t'es quasi garanti à 100% de balancer toutes tes altérations en même temps et du coup de déclencher ton ascension spirituelle. Pour être tout à fait transparent avec vous, j'aime pas l'allure générale de la bannière, notamment l'organisation avec les fillers. Il me reste Kisuke que j'ai pas encore, mais j'ai pas envie de me retaper un énième doublon de Ginjo ou de je ne sais quel autre perso que j'ai déjà droppé bien trop de fois pour que ce soit intéressant. Mais je me vois mal passer à côté des deux, hein. Clairement, là, je pense que je vais aller les chercher, je vais tenter tout du moins. Ça tombe mal parce que le 31, c'est vendredi, c'est une journée qui est vraiment assez chargé pour moi IRL déjà de base. Après si j'ai pas le temps vendredi, je vous ferai mes tirages samedi, enfin bon bref. Bon je vous tiens en jus vendredi, samedi, mais ça va poule. Et vous faites quoi du coup maintenant que ça y est, on a la fin de la collab, vous allez poule, vous allez pas poule, vous allez skip, vous attendez un petit peu de voir ce qui arrive, vous attendez les premiers avis avant de vous décider. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on en pense enfin, Guin, Mayuri, ça y est, ils sont là. Vous avez le champ commentaire situé sous la VOD si vous souhaitez me parler de tout ça. Pas très loin de tout ça, vous avez aussi la description. Si vous cherchez tout ce qui concerne les réseaux sociaux, Discord et la chaîne de stream Twitch, et bien tout ça, c'est dans la description que ça se passe. Pour rester informé de tout ce qui sort régulièrement sur cette chaîne, une méthode simple, rapide et gratuite, activez le combo abonnement plus cloche. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas bien sûr à la faire tourner autour de vous et à lui mettre votre meilleur pouce bleu, ça reste une excellente source de soutien pour l'ensemble des créateurs. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir choisi de suivre ces quelques images, je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao !